Voilà, vous écoutez votre radio et je prends tout de suite monsieur Abdel. Abdel, bonsoir, comment allez-vous? Ça va monsieur Badassi, bonsoir à tout le monde. Alors c'est vrai qu'on est très touché de ce qui s'est passé. C'est dramatique, des enfants qui meurent dans le monde toutes les minutes, il y en a beaucoup malheureusement. Alors d'autres vont dire c'est la volonté de Dieu, d'autres qui vont dire c'est la malchance. Moi je dis c'est le système des hommes. Vous savez monsieur David, la vie, et je me suis toujours posé la question. Moi-même dans ma famille, j'ai un frère qui est décédé très jeune quand j'étais petit, et ça restera toujours marqué le jour où la police a tapé à la porte du soir, le soir, et on a annoncé à mes parents que votre fils est décédé. Et c'est très douloureux parce que en fait, on se dit mais qui distribue les cartes? Qui décide et qui distribue les cartes? Parce que c'est vrai que là, on entend un petit garçon vient de mourir, donc on imagine la souffrance de la famille. Et dans le même temps, le même jour, la même heure, vous avez des gens qui ont allumé leur poste de télé et qui ont gagné la loterie, au loto. Et on se dit, vous avez d'un côté une famille qui vient d'apprendre le décès de quelqu'un et qui est, sa vie elle est brisée à jamais, elle est malheureuse. Et le même jour, parce que c'est arrivé dans le monde, comme ce soir, quelqu'un a allumé sa télé et il a gagné le loto. Et on se dit, c'est ce que je me suis dit lors de la mort de mon frère, qui distribue les cartes? Qui a décidé que ce jour-là, à telle heure, cette famille va connaître l'enfer, le malheur, fini, c'est le mal absolu. Et dans l'autre côté, le même être humain sur la même planète, lui, va être heureux. Il va gagner des millions. Et je me suis toujours dit, mais qui a distribué les cartes? Et pour soulager ma douleur et essayer d'être le moins perdu possible, je me dis, parce que d'autres personnes vont vous dire c'est la volonté de Dieu. Alors pour quelqu'un athée comme moi, c'est très difficile de mettre ça sur le nom de Dieu, sur la responsabilité de Dieu. Alors je me suis dit, il a choisi que cette famille va souffrir et que l'autre famille... Alors s'il a choisi pour ce petit, et cette famille, il a choisi pour celui-là qui a gagné le loto. Ben moi, je veux pas penser comme ça. Je me dis qu'en fait... c'est le système des hommes. Ces hommes ont creusé un trou pour des bonnes raisons, pour de l'eau, et ils n'ont pas mis les barrières ou la sécurité autour pour empêcher que ce petit tombe dedans. Ils n'ont pas fait ce qu'il fallait. Ils auraient fait ce qu'il fallait, ils ne seraient pas tombés dedans. Et la loterie, elle a été inventée aussi par les hommes. C'est pour ça que je ne veux pas dire c'est Dieu. Et dans les deux sens, il y a la responsabilité de l'être humain, du matériel qui nous entoure, des choses qu'on fait. Voilà. On a inventé une loterie qui va rendre une famille heureuse, et puis on a fait quelque chose, un trou pour aller chercher de l'eau, et on n'a pas fait les choses, et il y a eu un malheur. Mais dans les deux cas, il y a l'intervention de l'être humain. Et en aucun cas, il y a l'intervention d'une force divine. Ce qui fait, c'est que quand mon frère est décédé, parce qu'il est monté dans une machine que l'homme a inventée, et il y avait un autre homme dans une autre machine qui l'a percuté. Si ces deux machines n'auraient pas existé, il serait vivant. Donc, je refuse de mettre Dieu et le malheur là-dedans. C'est uniquement l'homme, en fait, et tout ce qu'il a mis autour de lui, tout ce qu'il a construit. Voilà. C'est comme ça que je vois les choses. Est-ce que c'est de la lâcheté pour me soulager, pour m'apaiser? Et puis après, je me dis, mais non, mais c'est la réalité, en fait. Aujourd'hui, on est samedi, y a des gens qui ont gagné au loto. Ils sont extrêmement heureux, ils vont ouvrir le champagne. Et le même jour, il y a des gens qui sont extrêmement malheureux qui vont pleurer. Il y a quelqu'un qui a distribué les cartes ou il y a quelqu'un qui les a pas distribuées. C'est une question que je me suis posée longtemps et aujourd'hui je me suis dit non, c'est uniquement à cause de l'homme. Voilà, je referme la parenthèse. Maintenant, si les gens veulent développer là-dessus, ils peuvent. Je veux revenir sur quelque chose, monsieur David, si vous me permettez. Vous m'entendez toujours? Bien sûr, on vous écoute, on vous écoute. Aujourd'hui, je suis venu souvent dans votre radio, monsieur David, et merci à vous et à votre ami, monsieur Didier Pledge, qui me permet de parler librement, car je peux pas le faire ailleurs, c'est très difficile. On nous empêche de parler, on le sait, quand on veut pas dire ce que les journalistes veulent entendre. J'ai souvent venu sur ici, à Radio Ici et Maintenant, et je sais que ça a fait beaucoup de bruit. Je disais que dans le Front National, il y avait des nazis. Et on me dit, mais Abdel, ce que tu dis, c'est fort, c'est pas normal, il n'y a pas de nazis au Front National. Mais il s'avère qu'aujourd'hui, Marine Le Pen, elle-même, et toute la presse le dit, a justifié mes propos. Alors je me dis, mais elle m'a entendu ou quoi? Marine Le Pen, la présidente du RN, a dit... les nazis qui étaient dans mon parti se retrouvaient chez monsieur Éric Zemmour. Ça veut dire qu'en France, monsieur David, ça a été dit par la responsable du Front National, il y avait bien des nazis, monsieur David. Il y avait bien des gens qui veulent tuer des juifs. Il y a en France, monsieur David, dans des partis français, des nazis. Ça a été dit par la présidente du Front National. C'est plus un fantasme d'Abdel. Les gens qui ont tué le Marocain dans la Seine, c'était des nazis, monsieur David. Vous vous rendez compte? Et ce parti, aujourd'hui, il vit toujours. Tous les gens qui ont demandé qu'on arrête ce parti n'ont jamais été écoutés. Parce qu'on disait qu'il y avait des nazis. Et un nazi a appelé la radio. L'après-midi, je ne sais pas si vous avez écouté, il a dit « Abdel ». Il n'est pas français parce qu'il s'appelle Abdel. Voilà. Je m'appelle Abdel, monsieur David, donc je ne suis pas français. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte, monsieur David? Madame Le Pen a dit qu'il y avait des nazis dans son parti et on n'a jamais interdit ce parti. Je m'adresse à un auditeur qui se fait appeler Spartacus. Non, non, écoute, te cite pas les noms, s'il te plaît. Non, tu peux t'exprimer. Pardon. Tu peux t'exprimer, je vous prie de ne pas citer le nom. Voilà. Non, mais c'est quelqu'un. Ah, là, voilà. Non, écoute, Abdel, s'il te plaît. On ne cite pas les noms, vas-y. Tu peux continuer. Bon, je m'adresse aux gens. Il a dit qu'il était au Front National. Et il est parti du Front National pour aller rejoindre monsieur Zemmour. Mais il sait que maintenant, chez M. Zemmour, dans le parti dans lequel il a rejoint, il y a des nazis. Est-ce que maintenant, il va rester dans ce parti qui sait qu'il y a des nazis? C'est lui qui nous l'a dit. Il nous a dit, j'étais dans le Front National, je vais rejoindre M. Zemmour. Mais Marine Le Pen, elle a dit que les nazis qui étaient au Front National sont partis chez M. Zemmour. C'est une question, c'est que je pose. Est-ce que maintenant qu'il sait qu'il y a des nazis dans son parti, est-ce qu'il va rester? Et quand moi je disais qu'il y avait des nazis au Front National, on m'a dit « Abdel, il nous insulte ». J'insultais personne, je dis la vérité, c'est tout, monsieur David. On peut plus dire que j'insulte ou je mens. Donc tous ceux qui disent que moi j'insultais, qu'est-ce qu'ils disent maintenant que leur présidente elle-même vient de l'avouer? Hein? Un nazi, vous savez ce que c'est un nazi, monsieur David? Un nazi, c'est quelqu'un qui a construit des structures autour de lui, administratif, bâtiment dur, pour exterminer un peuple. C'est ça la pensée d'un nazi, qui a des préjugés. Ça veut dire, il me voit moi, il va m'inventer une vie. Il va dire, voilà, il s'appelle Abdel, donc il est musulman, il tue les gens, et il vend de la drogue. Voilà comment il va me voir, comme il voyait avant les juifs. Les juifs, ils dirigeaient le monde, ils disaient... ils étaient comme ça, ils étaient comme ci, ils étaient comme ça. C'est ça le nazi. Il fait des préjugés sur quelqu'un qu'il ne connaît pas. Pour ensuite, après, faire des exactions sur sa personne et sa famille. Donc Marine Le Pen, aujourd'hui, vient de avouer au monde entier et à la presse que les nazis qui étaient dans son parti ont rejoint M. Zemmour. officiel, signé, tamponné. Je pose la question à tous ceux qui ont été rejoints de M. Zemmour. Est-ce que vous allez rester maintenant dans le parti de M. Zemmour, maintenant que vous savez qu'il y a des nazis? Vous ne pouvez plus dire que c'est moi qui le dis maintenant. Et je dis, Monsieur David, quand je rejoins une... Je grandis dans une cité. Quand je rejoignais une bande, il fallait être d'accord avec le chef. Il fallait penser comme le chef. Sinon, vous n'avez rien à faire dans la bande. Parce que quand le chef, il va vous demander de faire quelque chose, il faut faire comme lui. Donc, comme Zemmour, il va dire de faire quelque chose, de penser les choses, il va falloir faire comme il le dit. Sinon, vous n'avez rien à faire dans ce parti. Donc, vous ne pouvez plus dire à ce moment-là, quand vous rentrez dans un parti, que vous n'êtes pas nazi, s'il y a des nazis. Vous êtes d'accord ou pas, Monsieur David? Alors, tu viens de t'exprimer, c'est très intéressant, Abdel, puisque tu as signalé quelque chose qui est très important, qui nous montre certains chefs de parti sont tellement... Je suis désolé, Marine, hein, Marine, je suis désolé. Ils sont tellement imbéciles. C'est vrai, tu as raison, ils viennent elles-mêmes de dire que les nazis, ils ont quitté... sont partis. Voilà, tu sais, Abdel, tout ce que tu as dit pendant 10 minutes, c'était une phase, mais c'est très, c'est vrai, c'était comme ça, voilà, c'est comme ça, il a confirmé ça. Mais après, tu peux pas décider pour les gens d'aller où, mais bien sûr, tu peux demander au gouvernement de faire des recherches sur les agents nazis qui l'opinent. Elle-même, elle a confirmé de voir ces gens-là, parce que parti nazi, c'est interdit en France. Voilà. Oui, d'accord. Mais elle savait qu'il y avait des nazis dans son parti. Ah oui, 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 Abdel, c'est fini. On ne répète plus d'autres choses. Voilà. Il y a énormément de sujets à dire. Ça, tu l'as bien dit, on a bien compris. J'ai confirmé ce que tu viens de dire. C'était une imbécilité de la part de Madame Le Pen de dire elle-même que... Ah, tu sais autre chose qu'il a dit en plus. Elle a dit c'était très important, que moi j'étais étonné dans mon émission en personne qui était diffusée hier et avant-hier dans le monde entier, je l'ai dit, j'ai précisé. Et en plus, il a parlé de taquiller. Taquiller, c'est, en réalité, c'est taquiller, taquiller. Taquiller, c'est une méthode qu'on utilise dans tous les services d'espionnage et contre-espionnage. C'est inventé par les, plutôt on dit, c'est les chiites, branches chiites, voilà, qui sont actuellement en Iran en pouvoir, aussi, tout ça, Hezbollah, tout ça. On dit taquiller, c'est quoi? C'est-à-dire, tu dois mentir, tu dois te montrer le contraire de ce que tu es pour pouvoir avancer n'importe où. N'importe où, même alcool si c'est interdit, tu as le droit de boire, même faire de prostitution ou je ne sais pas quoi, si tu es une femme, tu as le droit de coucher avec 50 hommes, pourquoi? Puisque c'est taquiller, c'est-à-dire pour avancer tes idées, tu caches la vérité. Ça aussi ce qu'elle a dit, tu sais, Abdel et les autres, moi j'ai compris qu'il connaît énormément de choses, c'est-à-dire quelqu'un qui connaît taquiller, exercer, par les chiites et par tous les services de renseignement du monde entier. Hein? Ah, en plus, il utilise le mot taquiller, pas le mot espionnage contre espionnage. Mais, et qu'elle soit tellement imbécile de dire elle-même, tu as raison, qu'il y avait des nazis, ils ont quitté mon parti, ils sont allés vers... Oui, d'autres choses, Abdel? Bon, on m'a dit que moi aussi, je faisais la taquilla, parce que c'est très difficile pour les gens de mon pays... ils pensaient que ça n'existait pas, quelqu'un comme moi, quelqu'un qui s'appelle Abdel, qui a grandi dans la cité, qui mange du porc, qui est marié avec une blonde de yeux bleus qui est chrétienne, qui est athée, qui défend les homosexuels, qui défend les juifs, qui a des amis juifs, qui a des amis musulmans. Les gens ne me croient pas. Ils me croient pas, Monsieur David. Ils me croient pas. Avant, tu étais comme ça, Abdel? Avant, il y a déjà 10 ans, 20 ans, 40, 30 ans, tu étais comme ça ou tu as changé? Non, j'ai toujours... Dis-nous la vérité, dis-nous, parce que tu sais, ça sert pour éduquer les gens. Je veux remercier mes amis qui viennent sur l'antenne de dire qu'avant il était fanatique de l'islam et il obéissait mot par mot le Coran, l'islam, tout ça. Et même maintenant, ils ont changé, ils en ont vision. Comme à ce jour-là, aujourd'hui même, Forum des musulmans, au lieu de l'islam de France, qui s'était inventé par moi, l'islam de France comme islam politique, c'était inventé par moi, mais ils ont changé de nom maintenant. Front musulman, à, tu sais qu'aujourd'hui, par exemple, ils ont dit énormément de choses qu'avant on ne disait pas dans les autres instants musulmans. Et il y a actuellement beaucoup de musulmans, ils disent des choses officiellement, même moi-même, je connais beaucoup d'amis, hein, qui disent même pas on n'est plus musulman, mais ça c'est autre chose. Mais avant il était tellement sincère, tellement tu sais, fanatique et tout ça. Moi je vais être ravi d'entendre de temps en temps que les gens ils nous disent qui, suite à leurs études, recherches et ce qu'ils ont vu dans la scène politique internationale, ils ont changé d'avis, c'est-à-dire ils sont entrés dans une autre école. Monsieur Abdel, je vous écoute. Oui, oui, je vous écoute. Les gens pensent que je suis musulman parce que je défends les musulmans. Je ne défends pas les musulmans, je défends la liberté de culte et je défends la liberté. Je ne supporte pas, quand vous dites à une religion ne fais pas ci, ne fais pas ça, tu fais pas la même pour les autres. Ça, je n'arrive pas à le supporter. C'est ça les gens qui ne comprennent pas. Les gens voudraient que je crache sur les musulmans et que je défende les chrétiens et les juifs. Non, 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 non. Si vous dites à une femme musulmane, tu retires ton signe religieux, tu dis aux autres de le faire aussi. Pardon Abdel, excusez-moi, je vais t'écouter et te couper 2 secondes, puisque moi je te connais aussi, de temps en temps j'écoute l'après-midi la radio quand je suis dans la voiture, et je te connais. Mais si tu permets, pour ne pas aller dans... quelque chose qui ne va pas être correct, je veux te préciser de quelque chose, mon ami. Respecter le culte, tout à fait d'accord avec toi. Mais les cultes doivent être dans 2 endroits seulement. Ils ne doivent pas sortir. Aucun culte ne doit pas sortir de temple, pour les musulmans de mosquée, et de leur cœur. Cœur, ça peut être famille. Famille, cœur, temple, mosquée. Je dis le temple pour que toutes les religions se considèrent. Après, tu dis signe religieux dans aucune façon. Dans aucune façon. Je suis un islamologue, vous me connaissez. Je connais l'islam mieux que tous les imams. Imaginez les débats que j'avais fait en direct, en persan, en arabe, en français, avec des grands ayatollahs. Qu'il soit Ali Khamenei, qui est le guide actuelle iranienne et d'autres personnalités. Moi, j'ai fait des débats quand j'avais 16 ans, 18 ans avec ces gens-là. Et ça existe une partie de tout ce que j'ai fait en plusieurs langues sur l'Internet. Vous pouvez aller écouter. Je suis pas quelqu'un qui dit comme ça. Alors, dans aucune façon, sans façon, voilà, par exemple, porter voile, chador et tout ça n'est pas un signe islamique. Islam n'a pas de signe. Islam n'a pas de signe. Mahomet, le prophète de l'islam lui-même, il mettait Aïcha, sa fille, sur son dos, et ses choix, on le voyait que c'était tellement long, et après, il était allé dans le souk Akaz, c'est-à-dire bazar Akaz, et là-bas, il profitait de la vie avec sa femme, sans voile. Voilà. Le voile, mon cher Abdel, et tous les autres, on avait déjà dit, beaucoup, je veux vous dire, préciser, n'est pas un signe religieux, c'est une protection de désert. Yasser Arafat aussi, il avait sur sa tête, et tous les Arabes qui mis leurs vêtements traditionnels, ils mettent cette voile sur leur tête. On dit Tchafiya, alors le nom, on s'en fout. Mais ça, c'était une tradition quand on sortait dans le désert. À l'époque, il n'y avait pas ni des lunettes, ni le casque mettre sur la tête. Qu'est-ce qu'on faisait? On couvrait le visage, le cheveu, tout ça, par le voile. Le voile, il n'y a pas de religion, mon cher ami. Pour ça, tu ne peux pas dire que tu défends le voile puisque tu défends le musulman. Ça, c'est niet. Voilà, on vous écoute. Je vais te dire une chose. S'il y en a bien qui critique les religions, c'est bien moi. je suis pour la liberté de culte, mais si vous saviez comment il m'est arrivé de parler avec des musulmans, des juifs, des chrétiens, et à un moment, bon, des fois je parle avec des modérés et ça continue, mais souvent je me suis fait rembarrer car je les poussais dans leur retranchement. Car je suis pour la liberté des religions, mais pour moi les religions ne servent à rien, c'est une invention de l'homme, il n'y a aucun divin qui est rentré en contact avec l'homme. Quand j'entends une femme musulmane dire « je mets le voile pour Dieu », je lui dis « Dieu, t'as rien demandé ». Il t'a rien demandé du tout. Bravo, alors, bravo. Voilà, bravo. Bravo, Abdel. Ça, c'est bien. Je vois quelqu'un qui me dit, je mets une kippa, une croix pour Dieu. Je dis, Dieu, t'as rien demandé. Je lui dis, maintenant, envoie-moi, donne-moi un téléphone ou un fax ou un mot de Dieu, comme quoi il t'a dit de faire ça. Je vais être le premier à me mettre à genoux. Écoute, je leur dis ça, c'est une décision humaine. Tu permets, Abdel, tu permets? Puisque tu es tellement honnête et gentil, et puisque les gens qui nous écoutent sont tellement gentils et éduqués, je vais te dire quelque chose. Vous ne voulez pas le prendre de l'autre côté, prenez de ce côté, côté positif. Tu sais, Abdel, si on croit en mai autour de ça, c'est pas grave. Alors tu peux mettre Allah autour, comme on le collier, ça c'est pas grave. Question de voile n'est pas comparable avec des petites choses que tu peux porter, voilà. C'est-à-dire le voile, c'est quelque chose, vous pouvez le consulter par le médecin. S'ils n'ont pas peur, ils vont vous dire que chapeau, c'est pas grave, mais voile, vous couvrez la totalité des cheveux d'une femme, que sa tête, il va avoir beaucoup de respiration, c'est mauvais pour la santé de l'individu. Mais, écoute, si quelqu'un, il va mettre, je ne sais pas, un petit collier, comme il veut, ça, à mon avis, hein, c'est mon avis, ça c'est pas grave. Même à l'époque de Jospin, quand Lionel Jospin était Premier ministre, on a fait un conseil des sages musulmans, des islamologues, pour trouver une solution pour l'islam de France, puisque c'était ma proposition depuis que Jean-Pierre Chevènement, à l'époque de Mitterrand, on m'a parlé de ça. Voilà, ça c'est autre chose. Mais à l'époque, moi j'ai dit, porter des colliers, qu'ils soient chrétiens, juifs, étoile de David, la croix ou Allah, ça c'est pas grave. Mais le voile n'est pas comparable avec ces trucs-là, Abdel. Le voile, on vient de dire que ce n'est pas islamique. Deuxièmement, c'est mauvais pour la santé. Merci, je vous écoute. Oui, mais, alors, écoutez-moi, monsieur David. Que ce soit la croix, la kippa, le voile, le Coran, la Bible, la Torah, écoutez-moi. Aucune puissance divine n'a dit à l'homme de d'écrire ça. Parce que ce n'est pas... Fermez les yeux 5 minutes. Et c'est facile, hein. C'est facile. Regardez l'univers. On dit que Dieu a tout créé. Comme vous les entendez, ils disent que Dieu a tout créé. Les étoiles, les planètes, tout ce qui nous entoure. C'est énormissime. C'est-à-dire qu'en fait, il est énorme. Ce n'est pas compatible. Ce qu'on voit, les étoiles, la Terre, les planètes, l'eau, la magie de l'eau, qui est un pouvoir, contrairement à ces livres sacrés, qui a un pouvoir, qui vous permet de vivre, contrairement à ces livres qui vous permettent rien du tout, hein, et je vous expliquerai, comment une telle entité, elle a pu faire des choses aussi gigantesques et des choses après aussi absurdes. Ça veut dire, elle construit tout ce qu'on voit autour de nous. D'ailleurs, on n'arrive pas à comprendre tellement que c'est magnifique, d'accord? Et après, elle va prendre un être humain, elle lui dira, ben, une fois que j'ai construit l'univers, les étoiles, le soleil, elle va prendre des petites fourmis comme nous, elle va dire maintenant, toi, tu vas penser comme ça, tu vas manger du porc, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Et puis toi, tu vas pas manger du porc, tu vas faire comme ci, tu vas faire comme ça. Et puis toi, tu vas faire comme ci, tu vas dire aux autres, tu vas faire comme ci, et tu vas mettre la croix, toi tu vas mettre un truc sur ta tête qui s'appelle la kippa, toi tu vas mettre le foulard, c'est comme ça, toi tu vas lire le livre, il va être comme ça. Comment ça peut être compatible? C'est pas possible. C'est pas possible. Ces trucs qui, pour moi, c'est une critique, qui sont des trucs complètement débiles, c'est pas une insulte, c'est une critique, ne sont pas compatibles avec la puissance qu'ils le disent, qui a fait tout ce qu'on voit autour de nous. Parce qu'une bouteille d'eau, monsieur David, qui est insignifiante pour nous, qu'on fait même pas attention, qu'on jette même comme ça dans les égouts, vous la prenez, hein, Vous pouvez traverser le désert et atteindre le premier village sans mourir. Par contre, vous prenez la Torah, vous prenez la Bible, vous prenez le Coran, vous prenez un voile, une croix, une kippa, des choses qui sont vraiment, je dis vraiment construites par l'homme. Vous les faites traverser le désert avec vous, ils ne vous sauveront pas la vie. Vous allez mourir. Ils vont vous alourdir, vous fatiguer, et vous allez par finir vous en séparer. Par contre, la bouteille d'eau, qui n'a pas été inventée par l'homme, elle va vous sauver la vie. Vous savez pourquoi elle va vous sauver la vie? Parce qu'on peut peut-être imaginer qu'elle a vraiment été inventée par le Créateur. Parce qu'elle, elle a vraiment un réel pouvoir, contrairement à ces livres qui vous sauveront pas la vie si vous vous retrouvez dans le désert. C'est pour cela, monsieur David, si on me demande à choisir, tu dois faire 400 km dans le désert, tu as le choix entre cette bouteille d'eau et prendre le Coran, la Torah ou la Bible, qu'est-ce que tu prends? Tu peux pas prendre les deux, c'est soit la bouteille d'eau, soit ces livres sacrés. Qu'est-ce que tu prends pour atteindre le village qui est à 400 km et il va faire 60 degrés dans le désert? Qu'est-ce que tu prends? Mais monsieur David, je prends la bouteille d'eau. Et si on me demande pourquoi, je vais leur dire tout simplement parce que la bouteille d'eau, elle a un pouvoir de me sauver la vie et de pouvoir traverser ce désert. Mais tout ce que vous me proposez, les 3 livres sacrés qui sont vénérés dans le monde entier, où les gens se sont tués et ces livres se sont retrouvés dans les champs de bataille, quel pouvoir ils vont me donner, monsieur David? Et quel pouvoir ils vont me permettre de traverser le désert? Ils vont m'alourdir. Ils vont m'embarrasser. Maintenant, trouvez-moi une phrase dans ces livres qui vont me propulser dans les airs ou m'aider à traverser ce désert et lutter contre ce soleil, je les prends. Jusqu'à maintenant, c'est pas le cas. La seule chose qui a le pouvoir de me faire traverser ce désert et qui est 1 milliard de fois plus important que ces livres qui ont été écrits par les hommes, et je viens de vous le prouver que ça a été écrit par les hommes, puisqu'ils n'ont aucun pouvoir. La seule chose qui va me sauver la vie, c'est cette bouteille d'eau. Mais la bouteille d'eau, l'eau qui est intérieure, c'est pas toi qui l'as inventée. C'est elle qui t'a fait. Parce que sans cette bouteille d'eau, tu ne bois pas, tu ne manges pas, tu ne respires pas parce que l'eau te donne l'oxygène, l'eau fait pousser les plantes, les animaux mangent les plantes, et tu manges les animaux. Donc, quand on cherche une planète dans l'univers, qu'est-ce qu'on cherche? La première chose qu'on cherche, on ne cherche pas la Bible, ni la Torah, ni le Coran, ni Dieu. Qu'est-ce qu'on cherche quand on cherche une planète, monsieur David? On cherche l'eau. On cherche l'eau, monsieur David. Et s'il n'y a pas d'eau dans une planète, on ne peut pas y aller. Vous comprenez? C'est simple, hein, si on veut comprendre d'où viennent ces écrits. Alors quand on me dit que c'est un homme qui s'est caché derrière une montagne, ça a toujours été derrière une montagne ou derrière un drap. Allô? Alors, ça c'était tué, c'était coupé, parce qu'il était arrivé à 30 minutes, comme vous le savez, nous avons une limite de 30 minutes, après 30 minutes ça coupe automatiquement. Mais vous écoutez votre radio sur 95.2 FM et vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20, David Abbassi est avec vous. Comme d'habitude. Vous êtes sur la radio Ici et Maintenant. Retrouvez l'émission Soleil de Perse animée par David Abbassi en direct à partir de 23h sur Ici et Maintenant 95.2.